Je vais y aller. Lucie, mon bébé. J'ai nettoyé la cage du tigre et je me suis occupée de toutes les gamelles. Alors, s'il n'y a rien d'autre, c'est mon tour de préparer le dîner ce soir. Tu es bien sûre que tu n'as rien oublié, ma belle? Une toute petite chose. Monsieur Hunsitter, je vous en prie. La journée a été longue. Je ne veux pas. Écoute, Lucie, nous nous étions pourtant mis d'accord la semaine dernière. N'oublie pas que c'est le salaire que je te donne qui te fait vivre. C'est fermé, revenez demain. Attends, je n'ai pas fini. Je vous ai dit que c'était fermé. Oh, nous ne venons pas pour acheter, mais pour vendre. Vous n'avez sûrement rien qui puisse m'intéresser. Ce sont tous des spécimens extrêmement rares et de qualité supérieure. Quelle coïncidence. Comme moi. Et ça, c'est le prix de l'humilité. Oh, pitié! Pas ça! Vous désirez autre chose, cher monsieur? Peut-être un peu de vertu? Non! Pas mes animaux, pitié, je vous en supplie. Dis-moi, et l'honneur, petit homme, quel est le prix de l'honneur? Mon Dieu, non! Ce tigre est le spécimen le plus rare du monde, pitié, non! Tigre, tigre, feu et flamme, dans les forêts de la nuit. R61-661, veuillez vous présenter au quartier général de la division, code 3. J'avais presque fini mes 12 heures de patrouille quand j'ai reçu cet appel. Un sacré soulagement, vu que ma seule action de la nuit s'était limitée à calmer une mémé schizoïde qui dansait la lambada en petite tenue dans le secteur 2. Que j'avais eu un code 3, c'était le jour où une pute avait vomi sur le bureau de Brian, et c'est votre serviteur qui avait dirigé l'équipe de nettoyage. Même après un an et demi dans la maison, c'est le job le plus dégueulasse que j'ai eu. Où est le commissaire Brian? Il est malade aujourd'hui. Il a une mauvaise intoxication à l'aptomaïne. Il m'a demandé personnellement de m'occuper de l'unité en son absence. Goodza était un de ces vétérans endurcis à l'école de la rue. Il était plutôt sympa, mais valait mieux pas lui jouer un sale tour si on n'était pas son ami. On pouvait facilement se retrouver avec un couteau planté dans le dos. J'espère que t'as bien profité de tes vacances, mon vieux, parce qu'il va falloir te bouger le cul, maintenant. Génial! T'excite pas comme ça, les autres Blade Runners sont tous occupés.
Holden est obligé de se nourrir avec une paille. Gaff enquête sur les fractions chez Tyrell et Steele est en mission spéciale. Je crois qu'il ne reste plus que toi. Tu sais vraiment motiver les gens, toi. Un massacre d'animaux à l'animalerie Runciter. Probablement un taré quelconque, mais c'est nous qu'on a appelé. Le vieux Runciter a perdu quelque chose comme 1 million de chiniens. Dis contraint que c'est pas un job pour la détection des réplicants. Pourquoi? T'as mieux à faire? Prendre des cours de cuisine française, peut-être? Tu changes de quartier ce soir, Tombeur? Je croyais que t'étais en mission spéciale. Elle avait plus rien de spécial après que j'ai pulvérisé ses enflures. Raconte-moi. Des Nexus 4 s'étaient camouflés en isolant fibroplaste au Kaiser. Je me suis déguisée en infirmière, ils n'avaient aucune chance. Je m'en doute, tu leur as fait passer le test? Oh non, j'ai un petit truc super là-dedans, un truc magique. Et je ne me trompe jamais. Écoute-moi, Tombeur, si tu développes ça, tu as une brillante carrière devant toi. Oh, mais j'y travaille. Et Gudza t'envoie sur quoi ce soir? Un massacre d'animaux chez Runciter. Un massacre d'animaux? Bah, ces gueules d'humains n'ont aucun respect pour tout ce qui vit vraiment et qui respire. Quant à cet enfoiré d'Eldon Tyrell, on devrait le foutre dans un sac et le balancer dans l'espace. Ah oui, mais sans lui, on n'aurait plus de boulot. Je crois qu'on a tous un sacré paquet de vacances en retard, non? Tu pourrais arrêter de mater mon cul. T'as des yeux derrière la tête ou quoi? T'as qu'un mot à dire, Tombeur. La vente d'animaux était un commerce prestigieux et très rentable. La plupart des vrais animaux ayant disparu après la guerre terrienne. Il y avait beaucoup d'imitations électroniques alimentées par batteries rechargeables. Mais aucun humain qui se respecte n'aurait acheté une de ces vulgaires copies. Interrogez tout le monde dans le coin. Quelqu'un a peut-être vu quelque chose. C'est ce que je fais. Il y avait des traces de peinture, et pour moi c'était clair. Soit la ville venait d'acheter un camion de pompiers tout noir, soit quelqu'un allait se prendre une sacrée prune. Vous avez trouvé quelque chose? Du métal chromé. Provenant d'une voiture? Sûrement pas d'un cheval. Gardez-le comme indice. Vous avez appris quelque chose? Une trentaine de cas de massacre d'animaux avec agression caractérisée. Ils ont tout cassé. Je voudrais que vous voyiez le bébé tigre qui est là-dedans. C'est monstrueux. Comment va le vieux Runciter? En état de choc. Il n'arrête pas de geindre en disant que son monde est en train de s'écrouler. Vous seriez dans le même état si c'était vos animaux? Combien de suspects? Au moins 2. Il y a des empreintes et du sang partout. Ça doit être très joli à voir. D'après l'intervalle qui séparait les empreintes, je cherchais 2 hommes très grands. Un des 2 traînait la jambe droite. Il devait donc boiter ou être blessé. La démarche de l'autre semblait beaucoup plus équilibrée, élégante même. Il faisait la paire. McCoy, police. Je suis sûr et certain que Lucy Devlin était complice de cette agression atroce. C'est la jeune fille qui travaille pour moi. C'est elle la responsable de ce massacre? Non, bien sûr que non. C'était 2 hommes. Qui étaient de mèche avec elle, c'est évident. C'est évident. Ils étaient comment? Très grands, effrayants et d'une cruauté sans bornes. Tous mes animaux! C'était du gros calibre. Peut-être pour des armes spatiales. La balistique m'en dirait sûrement plus. Mon bébé, c'était mon préféré. Vous avez les disques de cette caméra? C'est inutile. Ces meurtriers l'ont bousillé. Des milliers de chiniens foutus en l'air. Elle a peut-être enregistré des images avant qu'il tire dessus. C'est une possibilité, en effet.
Tenez, je crois que c'est le disque d'hier soir. Merci. Oh, mon bébé, c'était mon préféré. C'était du gros calibre. Peut-être pour des armes spatiales. La balistique m'en dirait sûrement plus. Une trentaine de cas de massacre d'animaux avec agression caractérisée. D'après l'intervalle qui séparait les empreintes, je cherchais deux hommes très grands. Un des deux traînait la jambe droite. Il devait donc boiter ou être blessé. La démarche de l'autre semblait beaucoup plus équilibrée, élégante même. Il faisait la paire. D'après l'intervalle qui séparait les empreintes, je cherchais deux hommes très grands. Un des deux traînait la jambe droite. Je suis sûr et certain que Lucy Devlin était complice de cette agression atroce. C'est la jeune fille qui travaille pour moi. C'est elle la responsable de ce massacre ? Non, bien sûr que non. C'était deux hommes qui étaient de mèche avec elle, c'est évident. Il y avait des traces de peinture, et pour moi c'était clair. Soit la ville venait d'acheter un camion de pompiers tout noir, soit quelqu'un allait se prendre une sacrée prune. Vous n'avez pas idée de ce qu'il pouvait chercher ? D'abord, j'ai cru qu'ils voulaient de l'argent. Oui, je n'en garde pas ici. Ensuite, j'ai pensé qu'ils allaient me voler mes animaux. Mais ils ont commencé à les massacrer. Est-ce qu'il pouvait s'agir de réplicants ? Qui d'autre serait capable d'une telle barbarie ? Je suis ruiné. Totalement ruiné. Vous n'avez jamais traité avec les constructeurs de réplicants, la Tyrell Corporation ? Comment osez-vous ? Oh, je posais juste la question. Écoutez, en mai dernier, j'ai vendu personnellement un magnifique poulain percheron au gouverneur Colvig. J'ai été en personne convié chez lui à trois reprises. Est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin de produits artificiels ? Franchement. Oh, mon bébé, c'était mon préféré. Ça collait pas. Les animaux massacrés, aucun vol constaté. Les plus petits spécimens auraient pu se revendre une fortune sous le manteau. Ça ressemblait plus à une vengeance. Vous avez trouvé autre chose ? Cette femme dit qu'elle a vu la fille qui travaillait pour Ron Sitter traîner avec un gros type la semaine dernière. Vous avez trouvé autre chose ? Ce type habite en face. Il a entendu le bruit d'un accident cette nuit. Il a vu une berline noire s'éloigner à toute vitesse. Cette femme dit que... Ce type habite en face. Il a entendu le bruit d'un accident cette nuit. Il a vu une berline noire s'éloigner à toute vitesse. Vous avez trouvé autre chose ? Que dalle. C'est à l'intérieur que ça se passe. De l'art abstrait partout, sur les murs et le plafond. J'ai jamais apprécié l'art. Ah,
Laboratoire, ordinateur central et entraînement rez-de-chaussée. Prison, laboratoire. T'as du neuf pour moi, Dino? Je me demandais quand tu pointerais ta tronche dans le coin, McCoy. Les douilles trouvées chez Ron Sitter devraient être au musée d'histoire militaire. Pourquoi? Elles viennent d'un fusil Ender. C'est une arme militaire standard dans les colonies de l'espace. Un gros calibre, capable de percer le blindage d'un tank. Et je dois en conclure quoi, d'après toi? Que ceux qui avaient cette arme ne l'ont pas achetée tranquillement à l'armurerie du coin. Ce sont des bijoux de collection et ils ne sont pas donnés. T'as du nouveau? On a récupéré les animaux de Ron Sitter, mais on n'a pas trouvé grand-chose. Et la moelle? Environ 50% étaient des vrais, les autres des imitations. Donc, Ron Sitter a arnaqué ses clients? Oui, mais des imitations supérieures. Rien à voir avec ce qu'on trouve dans le quartier des animaux. Elle venait de chez les fabricants officiels. Ouais, c'est les seuls à pouvoir fournir une telle qualité. Et les blessures? La plupart ont été tués par balles, mais on examine les autres. Ils ont des coupures faites au couteau, comme si le type était en colère. Un couteau de boucher? Peut-être. Mais plus personne ne coupe de la viande. J'ai affaire à des réplicants raffinés, je vois. J'espère que tu vas pas me retrouver avec un hachoir planté dans le dos un de ces jours. T'as du nouveau? La peinture noire que t'as trouvée sur la bouche d'incendie, elle vient d'une voiture terrestre. T'en es sûr? L'angle de l'impact était presque frontal. Pour aller percuter une bouche d'incendie au niveau du sol dans un spinner en mode VTOL, faut vraiment être nul. Oh, on m'a dit que ta femme avait récupéré son permis. T'es un vrai bout en train, McCoy. T'as du nouveau? Le bout de métal chromé que t'as trouvé devant chez Ron Sitter vient d'une Pontiac 95. Sympa comme bagnole. Pas mal. Mais il y a beaucoup mieux. Ordinateur central et entraînement au tir. La Tyrell Corporation a rappelé aujourd'hui les quatre dernières unités de réplicants Nexus 5 de divertissement qui étaient encore en service dans les colonies de l'espace. Le docteur Eldon Tyrell. Chargement de la base d'indice personnel. Chargement de la base d'indice central. Transfert de la base d'indice terminé. Lecture du vidéodisque en cours. Deux images exploitables détectées. Image exploitable enregistrée dans Kia. Massacre chez Ron Sitter. Le menu du sushi bar de O'Willy. J'en veux une épreuve tout de suite. Thank you.
Massacre chez Ron Sitter. Il me dit quelque chose. J'en veux une épreuve tout de suite. Une voiture noire. Elle a l'air d'avoir déjà pas mal servi. J'en veux une épreuve tout de suite. La plupart ont été les douilles trouvées chez Ron Sitter devraient la peinture noire. Oh Willy, Brian avait chopé une intoxication alimentaire chez lui. Il l'avait fait fermer quelques mois. Maintenant, on pouvait toujours y manger à l'œil. Une trentaine de cas de massacre d'animaux avec agression caractérisée. Lucky Strike, les cigarettes de cristal. Je savais qu'elle passait beaucoup de temps à l'entraînement ces derniers temps. Pourtant, elle avait déjà presque réussi un score parfait. Tiens, mais c'est Ray McCoy. Alors, Brian a fini par te laisser jouer dans la cour des grands? Mon autorisation est arrivée? Bien sûr. T'as apporté ta pétoire? Ah, je pars jamais sans elle. Steele vient tous les jours depuis 2 semaines. Et les cibles en ont pris un coup. Je croyais que Guza allait en commander d'autres. Je l'ai pas vu ici depuis 1 mois. Il doit avoir plein de boulot. Oh, le pauvre. Il doit être épuisé à force d'empiler ses paperasses. Ne te fous pas de lui, McCoy. Guza peut devenir très méchant. Quand on faisait équipe à la mondaine, un jour, il a arrosé d'acétone 2 mâts qui nous emmerdaient et il a craqué tranquillement une allumette. Fallait voir comment ça flambait. Merci. Ouvre-moi, Jack. Je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Visez et abattez toutes les cibles. Ne tirez pas sur des innocents. Vérifiez que la cible est bien hostile avant de tirer. Séquence terminée. Veuillez passer au poste suivant.
Alors, ça va ? Non. C'est très calme depuis quelques jours. Alors, ça va ? Non. C'est très calme depuis quelques jours. Rez-de-chaussée. Votre numéro de code, s'il vous plaît. Appartement. McCoy, 88F. 88, merci. Je vivais avec une jeune femelle magnifique, pleine d'amour et de vie. Elle avait maintenant 2 ans. Elle m'avait coûté presque 1 an de salaire, mais elle en valait la peine. C'était si bon de retrouver sa chaleur contre moi en rentrant d'un sale boulot. Et la prime que j'allais gagner avec cette affaire serait investie pour lui trouver un copain. Maggie, viens ici, bébé. Votre numéro de code, s'il vous plaît. Toi, rez-de-chaussée.
McCoy, 88F. 88, merci. Tiens, mon bébé. Attrape. Massacre chez Ron Sitter. Tiens, salut Lucie. J'en veux une épreuve tout de suite. Massacre chez Ron Sitter. Votre numéro de code, s'il vous plaît. 3.